Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibien-être.com. Très chers amis fidèles internautes, Balandi tout, il y a Top Info 24 TV, la chaîne du peuple, la chaîne des informations et des révélations, et Makamoutou, et ça qu'on s'est passé dans la 4e République démocratique du Congo. Encore une fois de plus, soyez le bienvenu dans le magazine Nabino Bonakamingi, tribune des réflexions qui vous est toujours présentée par votre humble serviteur, chef Moukoué Jonathan, les jeunes journalistes du peuple, les jeunes journalistes des investigations et des révélations. Yamakamboto, et ça qu'on s'est passé dans la République démocratique du Congo, 24 heures sur 24, Bandeko Balandi. Bandeko Balandi, encore, Tomeme Bino, des révélations, des informations, Oizako Bang Nisabanguna. Bandeko, Russie, prêt à soutenir la République démocratique du Congo, na minicho États-Unis. Bandeko, très surpris. Namakamo, na Memelbino Mokola Lelo. Très cher ami fidèle internaute, Balandi tout, ya Top Info 24 TV, vous allez connecter, scotcher. Vous allez très attentif dans l'émission de Bino Yamokola Lelo. Avant la côte, maman n'a pas révélation dans la Bandeko Balandi. Avant la bande émission dans la Batata, ba maman bilingue, j'aimerais juste vous dire, bon, mon acquis publicité, ou t'as qui collé, qu'il y a produit Maxi Bien-être, ou botali publicité, un produit tellement efficace. Aux en a problème, il y a constipation, hémorroïdes, prostate, diabète, tension nésas tablette, éjaculation précoce, faiblesse sexuelle. Excusez-moi pour les termes, nous autres à mobile, les accords fonctionnels, sous ce malam, t'es à côté, les malis sous sauter, la solution est là. Maxi Bien-être. Tout ça, qu'on soit témoignage partout, dans quatre coins du monde, même, bazan, Amérique, bazan, Katia, en Afrique, Europe, Océanie, Asie, bah, Congo, man, nyon, bazali, qu'on témoigne, efficacité, y a résultat, y a produit, Maxi Bien-être. Osa, n'a pas ça, n'a pas ça, au terme, on a $35, numéro, n'a pas affiché, n'a pas écran. Tout côté, maman, maman, n'a li, comme, n'a biso. Bandeko Balandi, ce qui est, ceux qui sont en train de se passer na kati ya mini choyo ils ont abattu monsieur sur place bazali bazo craindre troisième guerre mondiale. Bandeko, les États-Unis montrent clairement leur position. Bah États-Unis bazo chaise sur hypocrisie pour leurs intérêts bandini. Balakisa, clairement position na bango, ne bazali ko soutenir les M23, ne bazali ko soutenir Rwanda. Bandeko bon landa ba révélation. États-Unis, ceux qui abandaki ko soutenir Rwanda te, bonaki bomona États-Unis aningaki apé sa Rwanda ba sanction moko sévère, ba sanction moko grave, ba sanction moko oyo eningaki e enfermir batu oyo bazali ko tcha insécurité o bazali ko sala génocide bazali ko bouma ba million de congolais na est de la république. Mais États-Unis azoti ka ba Kagame, azoti ka ba chef d'état major rwandais, azoti ka ba vrai auteur ya génocide o bazali ko se passer na kati ya est, azoti ko condamner les officiers à M23 o kutu toyebi mutu na makoloté. Tout ça, ce sont des signes qui nous montrent, qui nous confirment que les États-Unis montrent clairement leur position, qu'ils sont derrière les Rwanda. Bandeko Balandi, les États-Unis ont poussé plusieurs fois. Je le dis très bien, les États-Unis ont poussé plusieurs fois
le président Tshisekedi ya kokende na dialogue États-Unis allié à Poussaka Tshisekedi en lui disant que guerre oyo makamozo s'est passé na est ce qui bozo lukapé pe ekoya na mindu kité pe ekoya na bitumbaté pe ekoya na guerre té mais pe ekoya na dialogue. Quand les États-Unis pendant plusieurs fois pousse le président Tshisekedi ya kokene na dialogue Tshisekedi ya zoboya parce que ayemi dialogue oyo ba pays nyonso wana ba soutenir ka Rwanda bazali kotinda ye akene dialogue la RDC ne va profiter bénéficier na elo côté na ba dialogue oyo bazoluka. Président Tshisekedi il a été clair ayemi saki bango Pena este eko uta na dialogue ite. Pena este, soke loko moko ifona so na kagame na kotuna kagame, pona ni nazali kobuma, kozo kisa ko viole, ba milyon de Congolais o baza kuna na kata este. Mais Tshisekedi est déterminé d'aller avec le Rwanda na guerre. Bandeko, qu'est-ce qui s'est passé? Après plusieurs tentatives, y a États-Unis, voire même États-Unis qui n'a qui plus loin pour utiliser Angola. États-Unis ici Angola a déployé ma militaire mettez na Sadek a aidé RDC te bazwa paix na Bitumba mais États-Unis avait confié une mission à Angola que Angola n'est zawana jouer zala jouer rôle ya ko pousser RDC ya ko kené dialogue le rapport au Jean Lorenzo a mené là qui États-Unis na mesa aloba ki ke non j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé mais le président Tshisekedi est déterminé d'aller na guerre, na bitumba, pour a obtenir paix na kata este, a kokende dialogue ite. Bandeko, qu'est-ce qui s'est passé? La Pologne, obozali omo na Pologne. Pologne n'a aucune, na lobi, Pologne n'a aucune relation na Rwanda. So tali histoire entre Rwanda na Pologne, et c'est pas ça et l'autre mon côté. Alors, pour que les États-Unis a intimidé Tshisekedi, ayebisa Tshisekedi que non, ceux qui ont déclaré guerre na Rwanda, boyo baki ba propos Tshisekedi alobaki à la moindre escarmouche rebelle, y a bien rebelle, ou intimidé qui banguna, ou esakin ebangi ça qui peut banguna. Alors, pendant ce que États-Unis a intimidé Tshisekedi, qu'est-ce que les États-Unis vont faire? Qu'est-ce que les États-Unis vont faire? États-Unis a utilisé Pologne. Va signer partenariat militaire dans Rwanda. Quand on signe un partenariat militaire avec un autre pays, et puis partenariat militaire va signer, on va même une stratégique militaire va signer. Cela veut dire quoi? Cela veut dire nous que le pays où on est qu'on va l'attaquer, nous sommes au côté là. Donc, tellement Pologne a signé la Rwanda partenariat militaire stratégique, Bandeko, qui veut dire que ceux qui vont signer Rwanda vont signer Pologne. Quand Rwanda sera attaqué, Pologne sera prêt, il y a pour soutenir armement, militairement, nios, voire même financièrement. Bandeko, Mouto Atinda Pologne, ça ce sont des révélations au Nazar Koye Bisabino. Moutotinda Pologne et aux États-Unis. Va auprès de Rwanda. Va signer partenariat militaire. Et Zali peut message moko États-Unis, Zali auprès de Tshisekedi que ce côté guerre, pour soutenir Yote, pour soutenir Rwanda. Pour position Union européenne, position américaine, et Zake, Tshisekedi a kende kakana dialogue. Pour y aller kena dialogue, Rwanda, Makamba, vous signez et consort. C'est eux qui seront désavantagés. Pour ceux qui nous tournent sur la guerre, Bandeko, RDC nous tournons à la gagnant. Bah, pays sont mafieux, bah, organisation mafieuse, bah, entreprise mafieuse. Bah, on même nous tournons compte à la crise. Parce que, bah, téléphone, les ordinateurs, bah, voiture, nous sommes là, non. Ils allaient créer, fabriquer, dans ma minerai à Makila. Ba minéraux, peuple congolais a dit qu'on couffe à chaque jour. Nyonso est fabriqué wana. Nyonso. Alors,
tellement États-Unis ont dit jouer le jeu à cache-cache. Abimi si Pologne Liboso, Abimi si Commission de l'Union Européenne, bah qui ne peut signer. Pologne Abimi si a signé partenariat militaire. Côté la team Union Européenne, bah qui ne peut signer accord sur les matières premières. Donc, qui veut dire que, au cas où Rwanda sera attaqué, Pologne nous aurons mis en armes. Au cas où Rwanda sera attaqué, pour des raisons non. Financement est où dans l'Union Européenne? Wana Zasko, États-Unis, Chikoyo, Atali na Moussika, j'ai à cache-cache. Alors, comme États-Unis, allez vous jouer, j'ai à cache-cache, Bande Kobalani. Bola Nara Malam. Si vous Russie à Gosa la Nini, na place Wana. Afrique du Sud. On vous a demandé en Afrique du Sud. Afrique du Sud. Avec la pression américaine, la européenne, bandeko, va soutenir, va déployer la militaire dans la banque de la SADC. Tellement Afrique du Sud est allée dans la relation dans l'Europe, dans l'Amérique, mais très bien Afrique du Sud est allée dans la brise. Bandeko, Afrique du Sud est allée dans la brise. On va déployer la militaire. Pour y en Afrique du Sud, dans la carte de la SADC, bandeko, Ezali, Russie, Moutaza na Simawana. Tellement bango bazali na Sima ya Rwanda. Kosiye, Makor, naba Pologne, naba Union Européenne. Tellement suko Afrique du Sud, Eza na kat ya BRICS. BRICS, Eza organisation, noko, Afrique du Sud, Eza na kat. Brésil, Eza na kat. End, Eza na kat. Chine, Eza na kat. Russie, Eza na kat. Afrique du Sud, Eza na kat. Place Afrique du Sud, Ezali ya Rwanda. Bandeko, Afrique du Sud a déployé ma militaire dans le est de la République de la SADC. Boye ba ke sima ya Afrique du Sud douana. Tozo mon la Chine, tozo mon la Russie. Bitumba comme déjà bitumba, il y a ma grande puissance. Voilà pourquoi les banéne mission ba toi vision bazali ko ba la 3e guerre mondiale et banana kati ya Congo. Bitumba siko awa siko. Afrique du Sud batimé la sima Afrique du Sud Chine na Russie ezawana. Koto yo ba missile o bozali ko mona eza ko koya na Goma, o Rwanda zali ko beta na Goma. Azo beta na Sake. Ba missile wana eza Europe mutu e soutenir Rwanda na ba matériel militaire wana. Ba frapper Sake Goma po ba luka moyeni na ko koya. Bandeko Nasima ya Afrique du Sud, Russie a outi ko pesa RDC ko installer un système anti-missile pour la kati ya Goma. Wana nani, Russie. A tche système ya anti-missile pour la kati ya Goma. Système anti-missile wana ezali connecté na satellite. Na minute ezali ko loba que Russie ezali na contrôle ya situation sécuritaire ya est de la République. Russie ezali na contrôle. Donc on se rappelle tant Jean-Pierre Bemba a kenda ki Goma a emisa ki miso liboso ya écran que RDC ezali ko tcha nyonso en jeu, ezali ko tcha ba système nyonso en place pour que Goma sake ko yate et plutôt poursuivre Banguna to récupérer ma territoire wana. Na minute Goma contrôlé par les satellites russes. Ma chaîne système anti-missile. Système anéza système anti-missile ba chaîne connecté dans satellite. Bandeko, même zalaka, quand vous allez comprendre quelque chose, on a dit Sibino. États-Unis ont fait la déclaration, ont condamné Rwanda. Que Atika pour soutenir ba M23, Atika pour attaquer RDC pour demain consort, États-Unis sous Kanawa le Bakinine, alors que Rwanda a mis ba véhicule de missiles solaires. Des véhicules de missiles solaires. Donc, basala ba véhicule blindé, il y a missiles. Au besoin, il y a un bon besoin, il y a un sac et Goma comme ça. Je m'excuse. Ba véhicule wana oh Europe et soutenir bango
Et ça, ma véhicule, ou anande, la zali, qu'on frappe, les nango, ba goma, ba sake, ou boumonaki. Voilà pourquoi, na sima ya Afrique du Sud, Russie a installé système, ya anti-missile. Bandeko, soki, mini, eza attaqué, comment on appelle, soki, Rwanda a attaqué Goma, sake, na missile, système wana eza wana uniquement pour la rosane tant bazo frapper missile na bango yango ye kaka pou et détour yango eza système batché na kata Goma wana Russie na sima kaka ya Afrique du Sud bande ko balandi. Je vous informe que RDC eza la accord entre RDC na Russie existe kaka depuis kala. Ba accord wana ezalaka na mesa. Ezo sengaka na mutu moko a réactiver ngo Tshisekedi. Le président de la République, garant de la nation, le commandant suprême. Kakana il faut oyeba ke RDC Burundi baza kokangama na Afrique du Sud pambate. Ezala ma carte ezala ko se jouer. Ezala ma kamoza ko se préparer, ma kamoza ko salama. Bandeko na sima ya Afrique du Sud. Russie a soutenu Russie na Chine, na Chine. Ba soutenir sous RDC na ba matériel militaire pour combattre les ennemis. Na ba matériel militaire pour combattre les ennemis. Ba matériel militaire que j'ai, la RDC est maintenant capable de faire même la guerre pendant la nuit. Ma matériel militaire aujourd'hui, nous sommes capables de combattre les ennemis pendant la nuit. Nous tous les matériels sont les ennemis. Dans ma matériel aujourd'hui, la RDC maintenant capable de combattre les ennemis, voire même pendant la nuit. Voire même pendant la nuit. Situation au Ezaya Mwana. Awa siko yo, bitumba oyo, ezana kati ya oyo, ezana kati ya este, e mati na dimension mousousu. Dimension awa ya boye, tozo mona, Rwanda na RDC. Uganda contre RDC, Rwanda contre RDC. Na dimension mousousu bandeko, a nazali ko ebisabino, e komi Chine, Russie contre Europe na Amérique. Bitumba Siko a changé forme. Le combat vient de changer ma forme sur plusieurs tactiques, domaines, sur plusieurs plans. Bitumba a changé forme. Bandeko Balandi, voilà pourquoi il faut qu'on insiste, le commandant suprême, le garant de la nation, les citoyens numéro 1, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi Moukou Antongolo, il faut Sikoyo a démarré étape autobéni à identification. Nous devons identifier qui sont les Congolais qui ne le sont pas. Nakatia armée. Tosuniga Nakatia armée, toi y a ma parcours militaire, y a ma officier gradé Nakatia armée. Tosuniga Nakatia, voire même ma homme politique. Il y a plusieurs hommes politiques contactés par les ennemis Bandeko. Plusieurs hommes politiques contactés par les ennemis pour ma région de M23. Exemple, Jean-Jacques Mamba. Porte-parole, cadre, ancien, il y a ancien porte-parole, cadre, il y a MLC. En région de Naye Corneille Nanga, Bandeko, Azaye Mogote, il y en a plusieurs. Sko awa et comme étape yako fond la mise. Donc continuez la série à la révélation de la prochaine émission. Abonnez-vous, activez cloche de notification. C'était votre M. le serviteur chef Moukoya, Jonathan. Bonne fois, bonne fois. Bonne chale, bonne chale.